Pour ces manifestants, elle est devenue le symbole du recul des libertés au Maroc. Lundi dernier, ils étaient des centaines devant le tribunal de Rabat pour l'ouverture du procès de Hajar Raissouni. Cette journaliste marocaine est jugée pour avortement illégal et relations sexuelles hors mariage. Une deuxième audience est prévue aujourd'hui, mais beaucoup estiment qu'il s'agit uniquement d'un procès politique. On est arrivé à des degrés de gravité dans la vengeance contre les journalistes, mais aussi tous ceux qui défendent les libertés, les défenseurs des droits de l'homme, etc. Où on commence à s'inquiéter vraiment, où on a peur pour nous-mêmes, pour notre intégrité physique, pour nos familles. Hajar Raissouni a été arrêtée avec son fiancé, son médecin et du personnel médical le 31 août à sa sortie d'un cabinet de Rabat. Elle a immédiatement été placée en détention pour avortement clandestin. La jeune femme de 28 ans affirme qu'elle était soignée pour une hémorragie interne. L'affaire indigne la société civile qui dénonce les atteintes aux libertés individuelles au Maroc. Encore une fois, c'est la composante féminine qui est la principale victime des contradictions et de l'hypocrisie globale du système marocain. La loi marocaine punit sévèrement le recours à l'avortement de 6 mois à 5 ans de prison, sauf quand la santé de la mère est en danger. Il y aurait, selon des associations, entre 600 et 800 avortements clandestins pratiqués chaque jour.